un peu. J'espère que vous allez bien. Fait que, comme vous avez vu, je me suis préparé un bon petit café ce matin. On dirait que j'en avais envie. Première gorgée live. Ah, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Puis, c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, c'était le changement d'heure. Puis, je trouve ça vraiment drôle parce que j'avais toujours un léger jugement sur les gens qui savaient pas qu'il y a le changement d'heure, admettons. Mais Colin, moi, je l'ai appris hier. J'étais le voyons donc que je le savais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pourtant, en plus, j'ai écouté les nouvelles, j'écoute tout le temps la radio les matins. J'en ai pas entendu parler. C'est-tu moi qui en ont pas beaucoup parlé cette année ou c'est moi qui est passé tout droit puis qui a vraiment pas enregistré? Fait que là, hier, justement, quand je soupais, ils disent « Ah oui, on va perdre une heure de semaine. » J'étais « Pardon, qu'est-ce qui se passe? » Ouais, j'étais pas au courant. Fait que bref, là, ce matin, je me suis quand même réveillée comme d'habitude, admettons. Mais c'est ça, il est comme plus tard, dans le fond. Il est plus tôt. Ouais, plutôt. Et c'est ça, là, ce matin, dans le fond, je prends ça relax. Mon chum, hier, il a apporté des Timbits. Fait que je me suis dit que j'allais faire un bon petit café. Je pense que je vais peut-être faire de la lecture, je sais pas trop, ou regarder une émission. Je sais pas ce que je vais faire. Parce que, il est où mon livre? En tout cas, je me suis acheté un vraiment bon livre. Puis, je vous parle à bouche pleine, attendez 2 secondes. Bon, j'en ai profité pour aller chercher mon livre. Je m'en rappelle pas si j'en ai parlé ici, parce que j'en ai parlé sur Instagram, puis j'en ai parlé à tellement de monde que des fois, ça se mélange dans ma tête. Mais c'est le livre « Respire » de Maude Ankawa. J'avais lu son premier livre, « Kilomètre zéro », que pour moi, ça a été vraiment là, le livre, un super livre là, qui a comme... qui a pas changé ma perception de voir les choses, mais un peu confirmé, puis... je vous dis, c'est vraiment un super bon livre. Là, si vous avez. Si vous vous sentez un peu perdu des fois ou mal dans certaines situations, ça peut vraiment vous aider, je trouve. C'est des livres de développement personnel. Puis, dans le fond, celui-là, je suis au tout début, là, mais lui de Kilomètre Zéro, c'est le même principe. Dans le fond, c'est des livres de développement personnel, mais qui n'est pas de la théorie comme en. Comment dire, de la théorie comme pure, là, c'est vraiment de la théorie sous forme d'un roman, d'une aventure, d'un personnage auquel on s'attache, puis auquel on trouve des points similaires à nous, puis en tout cas, moi, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Celui-là, je pourrais vous en donner des nouvelles. J'avais commencé à le lire comme vraiment plus assidu à chaque soir, mais là, ces temps-ci, avec la semaine comme... bof niveau énergie que j'ai eu, ben je l'ai pas vraiment lu. Fait que là je pensais faire ça, mais là mon chum s'est réveillé, fait que probablement qu'on va manger des Timbits ensemble à la place. Puis aujourd'hui, une grosse première dans notre vie d'adulte accompli et de personne responsable. Oh, ça va s'acheter une toilette! Mais la vraie chose qui va vous intéresser dans ce vlog-ci, c'est le Costco Haul. Ouais, fait que je vous reparle un petit peu plus tard. Hello! Fait que là, on se dirige vers nos petites commissions. Mais juste avant, dans le fond, on va aller manger au Decans. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas été manger là. Ça a été à gauche, à l'allemand, comme si t'allais chercher une petite nelle, mais tu vas pas chercher une petite nelle, tu prends l'autre. Puis, c'est ça, au début, on dirait dans ma tête, j'allais au Costco Boucherville parce que c'est tout le temps mon préféré. Mais là, ce matin, j'ai regardé, puis là, j'étais là, hey, il y a un Home Depot juste à côté du. Juste à côté, quand même vraiment proche du Costco à Anjou. Fait qu'on va aller au Costco d'Anjou, même si je l'aime un peu moins. Là, genre, les produits me rejoignent un peu moins. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça, on passe devant le Decans. Fait que là, j'étais, oh my god, faut vraiment qu'on aille manger là, parce qu'on n'avait plus rien, en plus, à la maison. Fait que tant qu'elle est dans un petit resto fast-food rapide, on va aller à celle-là de qualité. Fait que ceux qui connaissent pas ça, là, c'est comme des hamburgers plats. Puis,
T'as le choix de mettre de la sauce ou pas, je pense. Mais classiquement, c'est un genre de sauce un peu un genre de bolo, un genre de bolognaise. Non, vraiment quasiment. Pas. Mais oui, c'est de manger genre deux fois, là. Ça me semble que c'est un genre moi, de sauce. Moi, j'ai de l'expérience dans mon corps. C'est un genre de sauce à la viande hachée tomatée. Non, mais ça me semble pas. Non, c'est genre épicé. Non? C'est vraiment bon. Non. Je vous montrerai ça ouais. Comme quand va être arrivé. Ben, genre okay. Là pour vous. On veut peut-être faire un backsplash en brique. Puis là, mon chum, il était comme ouais. Il est bien soucieux de ce qu'il a. C'est un peu sceptique à cause que le mortier qu'ils mettent, c'est vraiment poreux. T'sais, puis là, regardez. Il me dit c'est salissant. Si tu mets, si tu cuisines, qu'il y a des splashes d'huile, mettons, du curry ou de sauce d'avant. Puis là, regardez ce qu'il vient de faire. Je suis un petit peu gênée en restaurant. La sauce dans le coulis, ça crève bleu. Il me fait honte. Ça va partir. Ah bon. C'est sûr que là, il faudrait nettoyer mieux que ça. On va voir. À la fin de notre repas, on va vous montrer les résultats. À vous faire un petit Costco haul. Dans le fond, on est allé chez Home Depot, puis chez Costco. Puis c'est ça, chez Home Depot, on est resté quasiment un bon une heure et demie là-bas. Il y avait comme plein de choses qu'on voulait checker, là. Tu sais, comme les sets de patio, nos électros, on a regardé les luminaires aussi. On a acheté notre toilette, on l'a laissé dans l'auto. On a regardé genre les meubles lavabo, on a regardé la céramique, comme chaque rangée, il y avait des choses qui nous intéressaient, fait qu'on est resté là super longtemps. Puis moi j'aime vraiment ça, Home Depot, je trouve qu'ils ont vraiment des bons services là. En tout cas, c'est pas un partenariat du tout là. Je vous le dis là quand ça l'est un, mais je trouve qu'ils ont vraiment des bons services. Puis en tout cas, bref, c'était ça. On a juste parlé comme à une personne là, pour l'installation de la céramique, voir, admettons, ça reviendra à combien. Puis, je sais pas, je trouve qu'ils sont clairs dans leurs explications. Fait que je vais commencer mon petit Costco haul. On a acheté du lait d'amande. Les fameux pamplemousses sont juste tellement bons, là. Ça, après ça, une pizza congelée. La dernière fois, on l'avait vraiment beaucoup aimée. C'est juste que ça prend quand même pas mal de place dans le congélateur. Mais c'est fun à avoir quand... ça ne tente pas trop tôt de se faire assister une petite pizza puis de la salade. Merci mon pauvre. Sinon on n'avait plus de sriracha aussi. C'est pas la marque que je prends d'habitude, mais ça avait l'air de faire la job là, comme ça. Là. Après ça, du pain. J'ai acheté notre pain habituel, le pain grain germé de chez Première Moisson. Il est toujours super bon. Des bananes deux fois. Des citrons pour faire quasiment une limonade. On va en avoir pour longtemps. Dans le fond, nous, on le met dans notre smoothie. Après ça, pour ce soir, on s'est dit qu'on allait se faire un petit à la française. Là. Donc, c'est fromage, pâté. On a acheté une baguette. Ben, en fait, il y en avait deux baguettes qui viennent ensemble. Il a l'air super bon, le pain. J'ai jamais goûté la baguette de chez Costco, mais ça avait l'air bien. Puis, dans le fond, on aime beaucoup ça. On a acheté du boursin, là. Puis, de faire des petits croutons boursins saumon fumé avec notre manger à la française. Et, mais ceux-là, je trouvais ça le fun parce que c'est des portions individuelles. Donc, j'avais acheté l'autre jour le gros nanuc. Mais on dirait qu'une fois qu'on le coupe,
puis qu'on le... Tu sais, mettons que tu dis, ah, je veux juste prendre la moitié, puis qu'on le met au congélateur, la texture du saumon fumé, elle change, puis je trouvais qu'il goûtait vraiment moins bon. Fait que ça, c'est super le fun, les petites portions individuelles, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5 tranches par petite portion. Puis il y a 10 paquets, fait que je trouvais que c'est vraiment cool. Tu sais, même pour les lunchs, des fois, tu fais une petite tasse saumon Philadelphia, puis c'est ça, ça se sent bien. Des petits rochers au chocolat. J'ai acheté des graines de chanvre aussi pour mettre dans mes smoothies. Hier, mon père et puis sa conjointe, tu sais, je dis là, ben, sa copine, c'est ça. Il me semble que c'est l'aile, mon conjoint. ils me l'ont montré, puis je savais pas qu'il en vendait au Costco, fait que je me suis dit que j'allais prendre celui-là, ça revient moins cher qu'à l'épicerie. Notre boursin, c'est pas la marque, la sorte que je préfère, là, ça c'est quoi? C'est une Zerbe High, mais tu sais, pour le prix, ça vaut la peine. Sinon, des épinards qui ont eu la vie dure, tabarnouche. Voilà. De même. Du petit bacon pré-cuit comme ça, c'est super le fun à avoir à portée de main, tu sais, soit pour faire des pâtes ou pour le déjeuner. On a pris ce fromage-là aussi pour notre petit à la française. Des mûres, du beurre, des framboises, deux sacs d'ananas congelés. On a acheté des filets de poulet parce que l'autre jour, on filait comme so-so, tu sais, je vous avais dit, j'avais comme un début de rhume. Puis, on aurait aimé ça comme juste se faire cuire des petits filets de poulet avec une petite soupe. Tu sais, des fois, ça dépend. Puis, ben là, mon chum, il les a vus, puis je trouvais qu'il avait l'air bon. C'est le fun à avoir dans le congélo. Puis, ben c'est ça. On en a acheté. Il avait l'air bon, je vous en donnais des nouvelles. J'ai jamais goûté cette sorte-là. Des petits pavés de saumon. Ça aussi, je les aime beaucoup. Ils sont comme sous-vide individuellement. Et du lait. Donc, c'était tout. C'est quand même un gros Costco, mais c'était pas un gigantesque non plus. Puis, c'est ça, dans le fond, comme je vous dis, on est allé au Home Depot, puis on a acheté notre toilette. C'est la American Standard. Avec, en tout cas, sur les côtés, il n'y a pas comment on appelle ça? Le siphon. On voit pas le siphon, fait que c'est plus le fun pour nettoyer. Puis, ça est en rabais de 40$, fait que dans ce temps-là, on en profite. Puis, elle était bien cotée, il y avait beaucoup de monde comme qui disait qu'elle fonctionnait bien, puis qu'il n'y avait pas de fuite, parce que, tu sais, c'est ça qui est important, là. Voilà. Là, dans le fond, je vais serrer tout ça. Puis, on va relaxer tranquillement. T'sais, ça a quand même été une grosse journée dans les magasins grosse surface, comme ça. Des fois, ça draine, puis, tu sais, on regardait beaucoup de choses, tu sais, ça demandait beaucoup... d'attention, là, magasiner. Écoutez, moi, je trouve ça quand même drainant. Là. Bon, on a regardé aussi pas mal les électros chez Home Depot. Tu sais, des fois, sur Internet, tu te donnes une idée, mais finalement, en vrai, c'est pas pareil. Puis, il y en a beaucoup qu'on a vu comme qu'on n'avait pas comme porté attention sur Internet, puis finalement, qu'on trouvait beau en vrai. Donc, j'ai pris plein de photos, puis j'ai essayé de vous filmer un petit peu aussi ici et là, mais je m'en rappelle plus trop si j'ai beaucoup filmé. Et ben c'est ça, là, on va relaxer tranquillement, pas vite. On va peut-être s'ouvrir une petite bière à deux, puis prendre du bon temps. Là. Il est juste 3h, donc c'est parfait. On va comme avoir le temps de décanter avant de... J'allais dire avant de commencer le souper, mais on n'aura pas vraiment de souper à préparer. Fait que c'est fun, ça. Donc, je vais vous montrer un petit clip de comment on a fait notre souper ce soir, mais sinon, je vais terminer le vlog parce que j'ai quand même pas mal parlé aujourd'hui, puis je veux pas que ça soit trop long. J'espère que vous avez aimé, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous laisse sur notre souper. Si vous n'êtes jamais vu dans un camion, je peux voir et entendre toutes vos commandes. Mais parle-là, toi, et de 19 au parleur.